Otombwe, oye! Munana, oye! Mwanda, oye! Bakumba, oye! Mboni, oye! Akieni, oye! Okonja, oye! Yekoni, oye! Je tiens d'abord à remercier très sincèrement ma petite sœur Bokoko Beth qui a contribué positivement à l'organisation de cette cérémonie. Je profite de l'occasion, monsieur le candidat, monsieur le président, pour remercier publiquement mon maître Ndomba Daniel qui m'a, sans lui, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, c'est mon premier maître à Hanoï chez moi. Monsieur le candidat, monsieur le candidat, au moment où vous quittez la province du Haut-Ogoué par la grande porte, je tiens à féliciter et à remercier le peuple altogovéen pour l'accueil ô combien délirant qui vous a été réservé dans toutes les localités visitées. Et ceci, malgré les sempiternelles entraves aux principes démocratiques qui régissent notre pays, les menaces et les intimidations, les privations des espaces publics qui, en fin de compte, traduisent indubitablement le désarroi de leurs auteurs. Je tiens également à vous remercier pour le choix et la confiance que vous avez porté à ma modeste personne en me confiant la lourde charge de désigner votre pré-campagne dans le Haut-Ogoué. En sillonnant toutes les quelques localités de cette province, classées à tort ou à raison, chasse gardée du pouvoir, mais plutôt à tort, force est de constater que la volonté inébranlable d'une alternance s'exprime également dans le Haut-Ogoué. Nous devons donc créer davantage les conditions de cette alternance. Et la victoire est à notre porte. Monsieur le Président, il y a aujourd'hui dans le Haut-Ogoué, comme dans les 8 autres provinces, une véritable désespérance. Et la colère ne fait que gronder face aux conditions existentielles de population. Précarité, pauvreté, misère pathologique, chômage endémique, mendicité dépersonnalisante et déshonorante. Je terminerai ce propos par cette citation de Lincoln Abraham qui disait: on peut tromper une partie du peuple tout temps. On peut tromper le peuple un certain temps. Mais on ne peut pas tromper le peuple tout temps. Et ceci, monsieur le président, est à méditer. Le peuple altogovéen, à partir de Mounana, vous souhaite un bon voyage, plein succès, et que le Tout-Puissant vous protège contre les ennemis de la démocratie. Alléluia. Je demande, s'il vous plaît, une indulgence, une minute, je voudrais dire. Mounana, oye! Oye! Mouna be, Njoubamba, yunga bombia! Sabele, votre mot, onde? Le 27. Le 27. You sable gambri, Zuba. Goka président, le Gabon, Zuba oka président, Asabe, le 27
Ngentiere à partir de 7h30. Bele yene nga vote. Bele yuame. Parce que ça bo ça fête ni ndome manawira. Ba voix. Nga sable ça ba fête. Sable ça fête nga fête ni ndoyira. Nga ndayira o vesa baso. Sabaso ngomkere ngokuru nga bokasi nga bala. Sabasiso le yene nga vote. Gokra sable yage bulletin de les jeunes, moro gofu, ngabo ya rabu le tema bra, bele legu moro choropi, ngabarba, ayeni, au diable. Bele yu gamè! Ngamangaja, eni nge madabe kale, meje eni nge madabe kale, bisele yanga vra, mo sa fete, mo sa kampanye amana, ndo maira, ngasabe, les affaires et nini, n'a me dit que bevoie, hein? Même à l'époque où on va me voir, ma belle. Ça bon voté na. Ça bon voté na. Ça ben à l'auto, gouen à Vurokma. Mamie qui ça sabe kuna. Mamie qui ça au mito. N'a levé les bains. Vos bables et à l'époque. Yeah, I know.